Bonjour Cassandre. Bonsoir. Bienvenue. Donc, peux-tu nous parler un petit peu de tes projets à toi? Ben oui, certainement. Moi, dans le fond, ben comme vous l'avez dit, en 2019, j'ai fait une psychose, puis ça a vraiment changé ma vie. Je pense que j'étais quelqu'un qui était assez bohème, puis qui avait comme plusieurs projets en simultané, puis qui commençait des choses, puis qui ne les finissait pas nécessairement. Mais là, je me suis repris en main, puis j'essaie de commencer et de terminer ce que j'entends. Fait que mes projets sont vraiment tout personnels en ce moment. C'est tous des projets comme pour restructurer ma vie, avoir des loisirs, prendre soin de moi, bâtir une relation, des relations solides. Fait que mon projet, c'est vraiment un projet de vie en ce moment, je dirais. Donc, présentement, c'est ça qui sont tes projets. Oui. Puis, peux-tu nous parler un petit peu de ton histoire, du parcours, des difficultés ben que tu oui, peux avoir en avec plaisir. mon parcours, je vais comme le limiter à un petit peu avant la psychose puis un petit peu après pour ne pas m'étaler parce qu'on n'a pas toute la veillée. Hein. Mais je dirais que, tu sais, juste avant la psychose, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu plusieurs stress majeurs, donc une rupture amoureuse, un changement d'emploi, un déménagement. Donc, tu sais, des stress qui sont que tout le monde peut vivre, mais je pense que j'étais prédisposée à développer la maladie de la bipolarité parce que j'ai le même diagnostic que Gabriel, qui est la bipolarité. Donc, c'est sûr que n'importe qui aurait été dans cette situation-là serait peut-être pas arrivé à développer la maladie, mais comme j'avais la prédisposition... tous ces éléments-là combinés ensemble m'ont mené à la psychose. Puis un peu comme Gabriel, moi, j'ai commencé, ça a été peut-être 4 mois avant que j'ai commencé à avoir des petites pensées de paranoïa. J'étais beaucoup dans l'ésotérisme aussi, fait que des croyances ancrées qui étaient un peu déracinées, un peu frivoles en l'air. Fait que j'ai commencé à avoir ce genre de pensées-là. Puis je m'en suis pas rendu compte. Parce que, comme j'étais dans l'ésotérisme, j'avais l'impression que c'était des signes de la vie ou que c'était des synchronicités, puis tout ça, tu sais. Mais à un moment donné, ça a pris une mesure un peu trop grande, puis les gens s'en sont rendus compte, puis c'est là qu'on m'a attrapée, puis on m'a apportée à l'hôpital. Fait que quand j'étais à l'hôpital, j'ai été prise en charge, mais moi, j'étais toujours dans un espèce de rêve, tu sais, pendant tous ces mois-là. Fait que je m'en suis pas trop rendu compte que je vivais, que je commençais une maladie, que c'était une maladie mentale, je m'en rendais pas compte. Puis ça a été vraiment long. Je pense que tout ça s'est passé en juin, puis je dirais que c'est en octobre que j'ai réalisé que j'étais atteinte d'une maladie mentale, puis que j'ai pu commencer à guérir, tu sais. Fait que ça a été long. Pendant que tu es dans la psychose, en tout cas pour moi, je m'en suis pas vraiment rendu compte que j'étais malade, tu sais. Fait que... je vivais un peu les choses à travers un filtre. Puis pour toutes les gens autour, c'était plus difficile pour eux que pour moi, finalement. Moi, là où j'ai eu un wake-up call, c'était plus après que je réalisais, tu sais, tout ce qui s'était passé, puis que je devais un peu rebâtir ma vie, tu sais, me réenraciner, puis reprendre une vie normale. Puis, tu sais, c'est ça qui a été le plus grand défi, je pense, dans toute cette... toute cette épopée. Mais tu disais, quand ils m'ont apporté à l'hôpital, oui. Ça veut dire que tu n'étais pas volontaire à ce moment-là? Non, moi, c'était pas... c'est pas moi qui ai signalé ma détresse, c'est vraiment les gens qui l'ont perçue. Fait que ils ont essayé, c'est comme une petite stratégie, là, tu sais, comme on essaie d'attirer un chien là, avec un nanos, là, tu sais, comment on va s'arranger pour qu'elle s'en rende pas trop compte, mais qu'on aille à l'urgence, puis qu'on attende pas trop longtemps pour pas qu'elle change d'idée, parce que là, je coopérais, mais je pensais que c'était un jeu, tu sais. Je pensais qu'on était dans une télé-réalité, puis que tout ça, c'était une mise en scène. Encore occupation double. Ouais, mais moi, je l'ai faite dans ma tête, occupation double. Mais c'est ça, fait que, en tout cas, on a réussi à... Une fois que j'étais à l'hôpital, j'étais prise en charge, mais même à ça, j'ai essayé de m'enfuir. En tout cas, ma mère a été bonne. Elle a été très bonne. Bonne parce qu'elle a réussi à chaque fois à te ramener elle contre ta volonté. Puis, tu sais, une fois que tu es derrière les portes, c'est barré, c'est fini. Mais pendant que tu es à l'urgence, tu peux quand même t'enfuir ou, t'es comme, c'est ça. Mais c'est quand même pas facile, surtout présentement avec la pandémie et tout ça. Non. Les centres psychiatriques sont fermés, il faut que tu passes par le CLSC. Ça tu doit peux être plus terrible. Rentrer là, aussi facilement. Là. Puis déjà là, moi, j'ai eu des gens à accompagner il y a une quinzaine d'années. C'était déjà difficile il y a 15 ans. Puis aujourd'hui, avec la pandémie, c'est encore. Ah, puis j'ai tellement de compassion pour les gens qui traversent
que j'ai traversé, mais en temps de pandémie, parce que tu peux recevoir aucune visite. Ça doit tellement être difficile, puis même pour retrouver ses repères, tu sais, quand t'as pas de visage familier, quand t'as pas accès à la vie de l'extérieur, c'est difficile de retrouver ses repères, tu sais, de se réenraciner dans le concret, dans le réel, tu sais. Puis les gens, souvent, les gens, c'est nos repères principaux, tu sais, fait que quand on est coupé de ça, ça peut être vraiment difficile, surtout quand on est vulnérable. Une personne est hospitalisée, puis elle peut pas voir sa mère ou sa sœur à tous les jours ou aux deux jours, ben ça peut être encore plus difficile de se rétablir. Fait que moi aussi, j'ai vraiment beaucoup d'empathie pour ces personnes-là en ce moment. Heureusement, on a accès à des téléphones intelligents, à des iPads, à des ordinateurs, puis même si ça peut être fatigant d'être sur des écrans, c'est mieux que rien en ce moment. Ou encore, ben le vieux téléphone, hein, on appelle avec le combiné, puis juste d'avoir un contact avec des gens qui nous sont chers, ben ça peut être très, très utile dans le processus de guérison, là. Oui, parce que dans un milieu hospitalier, coupé de ta famille, de tes amis, il y a juste des étrangers. Donc, quand tu as des petites tendances paranoïaques puis que tu vois du monde que tu connais pas, ça veut dire, tu te demandes sur quelle planète tu es rendu. Ah oui, vraiment. Mais toi, c'est quoi les trucs que tu as pour te faire du bien? Là? Qu'est-ce que tu fais? Là? Est-ce que tu cours, tu marches, tu ris, tu jardines? Mais j'essaie de faire un beau melting pot, mais surtout de diminuer les éléments stresseurs. Tu sais, tout ce qui peut être la pression, le manque de sommeil, la mauvaise alimentation, tu sais, je coupe ça. Fait que c'est vraiment d'avoir une hygiène de vie impeccable, donc un sommeil de 8 heures par nuit en moyenne, de bien manger, d'avoir des liens sains. Donc, j'ai pas fait le ménage, mais disons que je m'efforce moins à entretenir plusieurs liens. J'essaie d'avoir des liens précieux avec certains individus, puis d'entretenir ces liens-là. D'autres trucs, j'essaie d'avoir des loisirs aussi, de stimuler ma créativité. J'aime beaucoup être dans l'état d'un flow, t'sais, un flow créatif. Fait que ça m'aide beaucoup quand... Là, présentement, j'ai commencé la couture, fait que je m'adonne un peu à la couture avec une machine, j'essaie d'apprendre. Fait que ce genre de stimuli-là, c'est très bien, je trouve, pour se sentir bien, là, t'sais, de faire des choses qu'on aime. La lecture aussi, pour calmer le mental... se plonger dans un univers, tu sais, fait que la lecture, la couture, la marche. Je suis moins sportive, là, mon copain essaie vraiment de me faire faire du vélo, de me faire faire de la course, puis j'ai de la misère un petit peu à m'engager là-dedans, mais je le dis aussi, il faut bouger quand même, c'est important de bouger. Fait que c'est tous des petits trucs que j'ai développés, puis de rien prendre pour acquis, tu sais, notre santé mentale, c'est pas quelque chose d'acquis. Moi, je le pensais avant que c'était quelque chose d'acquis, puis... Ouais, j'ai eu une surprise. La vie m'a donné une surprise, puis ça m'a fait prendre conscience de l'importance. C'est vraiment comme vous parlez de jardiner. Bien, moi, ma santé mentale, c'est mon jardin. C'est de l'arroser tous les jours, d'arracher les mauvaises herbes. Par mauvaises herbes, ça peut être les conflits, tout ce genre de choses-là. Il faut libérer sa tête de ces charges mentales-là. Puis je pense que c'est ça qui aide à aller mieux ou à aller bien. C'est là que la marche, le sport, ça, tu vas réussir à libérer ces choses-là. Là, mais oui, comme Lisa-Marie l'a dit, c'est sûr que tout le stress qu'on emmagasine a besoin de son exutoire, a besoin de quitter le corps et l'esprit. Fait que c'est sûr qu'en faisant du sport, ça aide, là, c'est sûr. Moi, j'ai plus l'impression que ça se passe quand je suis créative. J'ai plus dans l'art, j'ai l'impression que c'est là que je me libère. Peut-être que c'est comme ça pour certaines personnes, puis d'autres, c'est le sport, mais ouais. Tout à fait, puis ça illustre bien aussi qu'il n'y a pas un one size fits all. Je trouve qu'autant Gabrielle qu'Assane, qu'au final, c'est de trouver sa propre recette, puis ses propres façons de prendre soin de sa santé mentale. Puis si on fait des essais-erreurs, puis on écoute notre corps, OK, tu sais, quand je fais ça, comment je me sens? Le Cassandre, si tu fais de la couture, bien après la couture ou après la lecture, tu te sens mieux, mais on le refait. Mais si le sport, disons, faire de la course, ça te parle pas tant, puis ça fait pas tant de bien, c'est correct aussi. C'est important de s'écouter. Ça revient vraiment beaucoup à ça, là, à s'écouter. Puis qu'il y a pas... Il y a autant de façons de prendre soin de soi que d'être humain sur la planète. Il n'y a pas de mauvaise ou de meilleure façon. C'est juste important d'être à l'écoute de ses besoins. Là.
Ces moyens-là peuvent changer aussi. Ce qui était bon pour moi à l'âge de 30 ans, ne l'est peut-être plus aujourd'hui, même si j'ai juste 35. Mais ce qui était bon pour nous aujourd'hui, c'était peut-être pas la même chose qu'il y a un mois non plus, que la semaine dernière non plus. Fait que c'est ça aussi, ça peut même changer à tous les jours. Puis ça, c'est correct aussi d'avoir les mêmes repères, mais de s'autoriser une certaine flexibilité aussi, tu sais. Si, par exemple, une journée, on se dit, ben moi, j'ai pas envie d'aller courir aujourd'hui, j'aurais plus envie, par exemple, d'appeler un ami, c'est ça qui va me faire du bien, mais de t'écouter puis de le faire aussi, tu sais. Oui, puis on l'a pas mentionné, mais j'avais fait beaucoup de recherches parce que suite à ma psychose, qui était un épisode de manie, un épisode de d'humeur exaltée, très positive, j'ai eu une dépression pendant 10 mois qui n'a pas nécessairement paru parce que je le cachais un peu. Je trouvais que j'avais déjà sollicité beaucoup d'aide de part et d'autre, donc j'ai comme vécu ça un peu plus avec mon conjoint puis dans ma vie personnelle, puis... On a cherché, en fait, j'ai fait beaucoup de recherches, puis, tu sais, il y a la méditation qui peut aider. Il y a de se faire des routines le matin, se lever le plus tôt pour faire des choses qu'on aime. C'est comme si ça donne un ton à la journée, tu sais, comme de faire, de boire un thé chaud, après ça, de faire un 15 minutes de yoga. Il y a une chose qui s'appelle « Miracle Morning ». Puis c'est un petit livre là, que si vous avez l'occasion de lire, je trouve que c'est vraiment bien. Puis il y a plein de vidéos sur cette tendance-là, puis c'est vraiment de s'offrir un beau matin, ça peut donner le ton à une journée, tu sais, fait qu'il y a plein de choses. Je pense que de rester curieux, ça peut toujours nous permettre de sortir de l'inconfort, tu sais, en étant curieux, on essaie des choses, puis des fois, c'est la motivation qui manque, mais juste de faire un petit effort de plus à chaque jour. Moi, je le vois, tu sais, mon rétablissement, je dirais qu'il s'est passé en octobre dernier, fait que ça a pris quand même un an, tu sais, où j'ai eu la dépression, où j'ai dû me relever doucement, tu sais. Puis c'est à travers cette curiosité-là qui m'a permis d'émerger là, du bas-fond, là, tu sais. Puis au niveau des proches aidants, les gens qui entourent, qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Bien, moi, ce que je trouve super important, c'est d'être ouvert d'esprit. T'sais, parce qu'il n'y a rien de plus important que de se sentir accepté comme on est quand on vit une épreuve de cette façon-là. Fait que d'être ouvert d'esprit, d'avoir espoir, de garder espoir, condamner la personne. T'sais. Parce que moi, j'aurais pu rester dans l'état que j'étais. À un moment donné, il y a eu l'espoir qui commençait à s'effriter. Mais d'avoir espoir parce qu'il existe des traitements. T'sais, c'est sûr qu'il faut que la personne ait de la volonté. T'sais, ça, c'est important. Là. Moi, j'avais la volonté de vouloir guérir, fait que j'ai pris les traitements qu'on m'a offerts, j'ai coopéré. C'est sûr que s'il n'y a pas ça, ça peut être difficile d'avoir espoir, mais de rester ouvert, d'avoir de l'espoir, de ne pas condamner la personne parce que tout est malléable, tout est matière à changement. Puis d'être dans l'amour. On a besoin de beaucoup d'amour quand on traverse des épreuves comme ça, puis... Puis moi, je sais, mes parents m'ont donné énormément d'amour, puis j'essaie de leur en donner beaucoup en retour parce que, tu sais, mes parents, mes amis, tout ça, parce que c'est ça qui a fait partie de la guérison aussi, tu sais, tous ces liens-là solides qui sont restés, puis qui ont gravité autour de moi, puis qui travaillaient, puis qui essayaient de réorganiser ma vie avec moi, tu sais, c'est que... Ouais, je pense que pour les proches aidants, là, ce serait les choses que j'aurais à leur dire, là. Pour la personne qui vit les difficultés, puis qui n'a pas nécessairement encore accepté tous les traitements, toutes les aides qui sont là, qu'est-ce que tu aurais le goût de leur dire? J'aurais le goût de leur dire que ça peut pas nuire. Les gens sont bienveillants, puis moi, j'ai pensé à tort qu'on me voulait du mal ou que c'était le système ou que les médicaments, c'était pas bon, puis ci, puis ça. Mais là, j'ai la preuve que je suis partie de loin, là. Je suis partie de... ça allait pas du tout. Puis aujourd'hui, j'ai coopéré avec toutes les... Tu sais, je fais tout, là. Je vais voir le psychiatre, je vois psychologue une fois par semaine, je mange bien, je dors bien, je fais vraiment tout ce qu'on me dit, puis ça va bien. Fait que j'aurais envie de dire coopérez, soyez ouverts encore une fois, puis vous allez voir, c'est comme les choses vont naturellement se replacer, tu sais, parce qu'il y en a des traitements, puis il y en a des solutions, puis, tu sais, mais il faut coopérer, il faut être ouvert, je pense, à recevoir cette aide-là, parce que... Mais moi, je pense que je fais partie des gens chanceux, parce que j'ai beaucoup d'aide, et que je sais pas si tout le monde a accès à ça, mais pour ceux qui ont accès, prenez-le, tu sais, c'est tellement... Oui, puis s'entourer de gens de confiance aussi, tu sais, parce que
dans le sens où je pense que c'est très... Je pense que dans ton cas, Cassandre, tu as eu une famille qui était très soutenante, puis une famille, je veux dire, c'est tes parents, donc tu avais comme un bon lien de confiance qui t'ont amené vers ces ressources-là. Fait que moi, je trouve que c'est tellement précieux d'avoir ça, alors qu'il y a des personnes aussi qui n'ont pas ce réseau-là. Donc ça peut être encore plus difficile, puis ça nous amène au problème d'accès aux soins dans le réseau. C'est qu'en ce moment, bien, l'offre est vraiment déficiente, là, puis on pourrait en parler vraiment longtemps, mais je pense qu'il faut... C'est important, il y a eu un commentaire par rapport à ça dans le live, on m'a dit. Je pense que oui, il faut repenser le système d'accès aux soins en ce moment. Il n'y a pas assez de psychologues dans le système de santé publique, il n'y a pas assez de psychiatres non plus. Puis les besoins sont vraiment criants. Par chance, il y a des gens comme Cassandre qui réussissent à avoir de l'aide puis qui réussissent à s'en sortir d'une très belle façon, mais il y a d'autres personnes, malheureusement, qui sont un petit peu laissées pour compte. Et je pense, entre autres, aux personnes qui vivent dans la rue. Il y a entre 30-50% de problèmes de santé mentale chez ces personnes-là. Donc, je pense que c'est ça. On a vraiment un travail collectif à faire de réflexion. Tu sais, où est-ce qu'on veut placer la santé mentale dans nos priorités, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les conditions puis l'accès aux soins? Oui, parce que moi, je pense que j'ai eu accès à toutes ces choses-là parce que je me suis rendue à l'urgence, mais ça aurait été peut-être difficile de passer par la porte d'en avant puis d'avoir accès à des soins. Tu sais, je pense que là, c'était de force, puis c'est tout le temps dans l'urgence, c'est tout le temps la police ou tu sais, qui m'amenait à l'hôpital, fait que c'était tout le temps par force que j'avais accès à ça. Mais c'est vrai que pour ceux qui se sont pas rendus aussi loin, mais qui pourraient se rendre là, tu sais, ça serait le fun qu'il n'y ait pas à traverser tout ça. Tu sais, ça serait le fun que ça soit accessible. Mais en même temps, tu sais, l'autre enjeu, c'est aussi que quand on est atteint de santé mentale, on n'est pas tout le temps conscient de l'état dans lequel on est. Fait que même si on voudrait aller chercher de l'aide, on n'est même peut-être pas rendu à se rendre compte qu'on a besoin d'aide. T'sais. Fait que, tu sais, je vois toutes les gens dans la rue, puis des fois, je me dis, peut-être qu'ils savent même pas que ça va pas, tu sais. Fait que c'est parce que quand t'es en psychose, t'es ailleurs, tu sais. Fait que des fois, je me dis, malgré tout, tu sais, c'est bidirectionnel. Là. C'est sûr qu'il faudrait qu'il y ait plus de travail pour que les gens aient accès à ça, mais des fois, je me dis, c'est aussi la personne qui est atteinte qui est plus difficile à aller chercher, tu sais. Oui, puis tu sais, on parle de ça, puis parfois, les personnes, justement, ça ne vient pas qu'elles ne vont pas bien parce que peut-être qu'elles sont intoxiquées ou qu'elles ont un problème de santé mentale, donc il y a une perte de contact avec la réalité dans certains cas. Puis tu sais, moi, je pense à... C'est important aussi de ne pas les oublier, puis de, tu sais, par exemple, déployer des équipes de travailleurs de rue, tu sais. Tu as été un travailleur de rue, donc tu sais, c'est quoi? Vraiment d'intervenants sur le terrain pour aller à la rencontre de ces personnes-là, puis commencer à entretenir un lien de confiance, puis éventuellement les amener à consulter. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des travailleurs de rue, il faut qu'il y ait des intervenants sociaux sur le terrain, il faut qu'il y ait plus de ressources aussi dans les hôpitaux, dans les CLSC. Donc. C'est ça, je pense qu'il faut avoir, c'est ça, il faut qu'il y ait plus de ressources. Mais tout ce qui est offert, c'est des beaux services. Tu sais, comme Gabrielle a été à la clinique JAP, moi, j'ai eu d'autres j'ai eu accès à comme trois différentes cliniques parce que j'ai déménagé. Puis j'ai trouvé que leur intervention, tu sais, avec un recul, c'était merveilleux. Tu sais, des équipes multidisciplinaires avec une travailleuse sociale, une infirmière, tu sais, qui prenait soin de ma santé physique, ma santé mentale, ma santé financière, et on faisait des plans de vie, tu sais, je trouvais que c'était merveilleux, mais il faudrait qu'il y en ait comme à profusion, tu sais, pour que tout le monde puisse être bien encadré comme ça, parce que j'ai trouvé que c'était très systémique, tu sais, c'est une approche très systémique, puis ça m'a impressionnée avec un recul. Pendant que j'étais dedans, je m'en rendais pas compte, là, mais avec du recul, je remercie ces gens-là de ce qu'ils font, là, c'est merveilleux, tu sais. Puis je trouve ça beau que tu le soulignes aussi, parce que, oui, on peut avoir tendance à critiquer, puis moi, je pense que c'est Mais mon cheval de bataille aussi, là, la lutte contre la stigmatisation, l'accès aux soins. Mais en même temps, c'est important d'honorer puis de reconnaître le travail de ces personnes-là qui est exceptionnel, le travail des gens qui sont déjà dans le système de santé puis qui travaillent d'arrache-pied pour aider des personnes vulnérables qui sont atteintes de troubles de santé mentale. Fait que je pense que tu fais vraiment bien de mentionner au passage. Ah, mais il faut parce que... Sans eux, je serais peut-être pas là aujourd'hui. Je pourrais pas m'exprimer comme ça sur mon histoire parce que ils ont fait partie, ils ont été des acteurs importants, tout comme ma famille, tout comme mes amis. Mais ces gens-là ont été des acteurs importants qui m'ont mené au rétablissement, tu sais. Fait que à l'acceptation surtout, à l'acceptation de cette maladie-là qui va faire partie de moi toute ma vie au fond. Là, tu sais,
ça se guérit pas, la bipolarité. Fait que, on apprend à vivre avec. Oui, oui, exactement. Avec toutes nos différences. Puis, le but, c'est de diminuer les symptômes, c'est de rendre la personne le plus fonctionnelle possible, puis c'est réussi. Donc, tu sais, je l'ai, la maladie bipolaire, mais c'est pas écrit dans mon front, puis je me lève pas le matin en y pensant, là, tu sais, c'est juste... C'est, j'ai une petite pilule à prendre le soir, puis une petite pilule le matin, puis c'est tout. Là, puis t'sais. Au-delà de ça, t'es un être humain avant tout. T'sais. Ouais, exact, exact. On te remercie pour ton témoignage. C'est moi qui vous remercie. Merci. Ça nous a fait sortir, ça nous a fait voir des gens. Ça fait vraiment du bien. Oui, socialiser, ça fait du bien. Surtout que là, on va reconfiner encore plus pour Noël. Oui, effectivement. Fait qu'on va en profiter jusqu'à la dernière seconde de cette soirée. Excellent. On te remercie bien. C'est moi qui vous remercie. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter? Je me sens tellement... J'ai beaucoup de gratitude, en fait, d'avoir ces conversations-là avec, avec toi, avec Cassandre, avec Gabrielle. Je trouve ça super riche. Puis je trouve que c'est deux beaux modèles de résilience. Puis j'espère vraiment que ça va... donner espoir aux personnes qui nous écoutent et qui nous écouteront, parce que ça sera rediffusé, je pense, que c'est possible de vivre avec un trouble de santé mentale, que c'est possible de s'en sortir, puis comme tu dis, d'apprendre à vivre avec, puis d'avoir une belle vie, tu sais, quand même. Fait que, ouais, je trouve ça super, très, très, très inspirant.